Salut à tous, c'est Fabkick. Donc les gars, aujourd'hui nous sommes bien le mardi 12 mars et voilà, je sais que il y a pas mal de personnes qui aiment bien mes petites tenues. Moi, j'aime bien mes petites tenues, surtout sans passer par le mode réalisateur. Et là, un gros GG à Apocalypse, donc je mettrai sa chaîne en description puisque voilà, il a fait une belle tenue les gars, dont j'aime, bah voilà, j'aimerais bien la reproduire et j'aimerais bien vous la faire partager. Donc les gars, évidemment la tenue on peut se la faire dans le PDG. Moi je sais pas ce qui se passe actuellement, je n'ai pas la flèche de droite dans le PDG et dans les appartements, donc je suis obligé de venir dans le magasin. Donc les gars, on va se dire que le magasin, bah c'est notre garde-robe. Donc à partir de là, c'est parti, on va devoir aller dans les tenues. On va aller dans les tenues standard et on va sélectionner la tenue négligée. Une fois qu'on a sélectionné la tenue négligée, on va se rhabiller. Donc on va aller dans les hauts et là, à partir de là, on va aller dans les par-dessus. Et moi, j'ai mis voilà ça. En fait, je le fais juste pour la vidéo puisque moi, je pourrais pas sauvegarder. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Donc là, moi je mets la parka là. Maintenant, on va aller dans les pantalons. Donc, on va le rhabiller un petit peu le gaillard. Par contre, je lui fais pas le masque. Hein. C'est juste pour vous montrer le délire. Donc là, on va dans les pantalons. Moi, je vais aller dans les treillis. Et bien sûr que je vais lui mettre le même délire de treillis. Donc, c'est parti. Voilà, c'est fait. Donc là, on va aller vite fait dans les accessoires. Je sais pas si je peux lui mettre une petite chaîne. Allez, un petit kiff, voilà. Là pour l'instant je sauvegarde pas encore. Hein. Donc là je vais lui mettre des bottes. Par contre, comme je vous ai dit, le masque, non, je fais pas le masque, vous ferez par vous-même. Bon, allez, on va dire que cela, ça va. Donc une fois que c'est fait, la tenue, je la sauvegarde. Donc là je fais carré et je la sauvegarde. Voilà, une fois que c'est fait, ben, on repart dans les tenues. Donc, si vous êtes dans votre PDG, au moins c'est fait. Donc, je repars dans les tenues et là, on va dans les tenues combinaison, braquage, combinaison, pardon. Voilà, on va tout en bas et on prend l'une des trois, n'importe laquelle, on s'en fout. Par contre, celle-là, on l'enregistre bien. Donc, on l'achète et on la sauvegarde. Et c'est avec cette tenue-là qu'il faudra aller à la longue vue. Malheureusement, je n'ai pas les flèches de droite, comme je vous ai dit, dans les appartements et dans le PDG. Donc je suis obligé d'aller à la plage. Hein. Donc je vais à la plage. Hein. Ah, je rigole. Donc c'est parti les gars, on va à la longue vue. Donc vous avez compris le délire, on prend la tenue négligée, on l'habille. Et une fois qu'on l'a habillé, on sauvegarde la tenue. Et une fois que c'est fait, ben, on part avec la tenue que vous voyez actuellement, ou en noir ou en bleu. On s'en fout. Et ensuite, on va à la longue vue. Donc, comme je vous ai dit, une fois que ça, si ça a fonctionné, ben, le masque, vous le ferez vous-même. Ça, vous connaissez le délire des masques. Au pire des cas, allez voir dans les playlists. J'en ai posté de trop pas mal. Donc les gars, une fois qu'on arrive à la longue vue, je pense que vous connaissez tous le délire. On court, flèche de droite, une fois devant. Voilà. Une fois que c'est fait, bah, faut pas qu'il regarde. Donc comme il regarde, on fait flèche de droite et on recommence. Voilà. Donc là, on va faire pavé tactile. On va aller dans style et on va mettre la tenue qu'on vient de se faire dans le magasin, donc ou bien chez vous. Voilà. Donc là je me recule, je recule quoi, je veux dire. Voilà. Là je fais pavé tactile, on va dans style, accessoire. Non pardon, parachute avec. Et là le problème c'est que moi je dois encore aller la sauvegarder. C'est pour ça que dans l'appartement c'est beaucoup mieux. Bon c'est pas grave, je vais aller au masque. Je sais pas pourquoi j'ai pas les flèches de droite, j'espère que je suis pas le seul, mais bon, bah, j'ai pas les flèches de droite. Ça arrive.
Donc là, je sauvegarde la tenue et ensuite on va lancer un travail de titan. Voilà. Donc on a bien mis le parachute, on a mis tout ce qu'il fallait. Maintenant les gars, c'est parti. Donc on fait start en ligne, activité, joue activité créée par Rockstar, mission et on va lancer un petit travail de titan. Là par contre, on quitte pas dans les paramètres, hein. Faut carrément lancer la mission et c'est pour ça que moi je suis un petit peu embêté puisque comme j'ai lancé une mission et je suis à l'extérieur, je pense pas que je peux rentrer dans les magasins pour sauvegarder une tenue. Donc je sais pas pourquoi j'ai un bug, mais bon bah vous la ferez dans l'appartement, vous ça marchera. Si vous avez la flèche de droite, c'est nickel, puisque à travail de titan, vous pourrez quand même sauvegarder votre tenue. Après peut-être que je... Non, je pense pas, on peut pas rentrer dans les magasins et je pourrais pas... À moins que je peux rentrer chez moi, je sais pas. Donc on va voir ce que ça fait. Logiquement, ça fait ça, les gars. Voilà. Franchement, elle pète sa mère. Voilà les gars, j'espère qu'en tout cas ça vous fait plaisir. Franchement, moi je kiffe, hein, Lolo. Donc là, je vais regarder si je peux sauvegarder, puisque là, je suis en mission. Et regardez, je suis en mission, donc je peux pas sauvegarder. Il est là le problème. C'est pour ça que cette tenue-là, bah, il faut la faire chez vous. Puisqu'on est en mission, franchement, elle est belle. Hein. Ah, j'espère que vous l'avez capté, les gars. On n'a pas... Voilà, quoi, on est invisible. Je veux dire, on a le ventre invisible. Donc après je vous dis, chacun le fait à son délire. Une fois que vous mettez le par-dessus que vous aimez, bah vous le faites à votre délire. Par contre je suis un peu deg que je peux pas le sauvegarder. Je sais pas si je quitte un travail de titan, on va voir. Au pire des cas, vous me direz comment vous, perso, vous faites. Moi, là je sais pas. Là j'ai quitté un travail de titan. Et je sais pas si j'aurai encore la tenue, si je l'ai encore, bah tant mieux. Parce que sinon, à travail de titan, il faut le lancer de son logement. Donc je sais pas comment ça fonctionne à partir de là. Mais bon, logiquement, je devrais plus l'avoir puisque j'ai quitté à travail de titan. Il aurait fallu que je la sauvegarde avant, j'en sais rien en fait. Faire un coup. Non, voilà. Donc c'est dommage, je sais pas comment. Je vais relancer un travail de titan en fait. C'est chelou quand même, parce que même que. En fait, quand on lance un travail de titan, même de son appartement, je sais pas si on peut sauvegarder. Ah si, logiquement si. Hein. Donc activité. Mission à travail de titan. Bizarre quand même, il y a un truc qui va pas. Bingo. Donc là, admettons, si je voudrais la sauvegarder, bah je suis emmerdé moi. On peut pas rentrer chez nous, on va faire un coup. Ah si, je peux rentrer. Ah désolé les gars. Ah, comme quoi, faut pas parler trop vite, hein, vous voyez. Donc bah même quand on l'a fait dehors, bah je pense que ouais, voilà, on peut la sauvegarder quand même. Moi je pensais qu'une fois qu'on lance une mission, on pouvait strictement rien faire. Bah a priori, si on peut quand même rentrer chez soi, en espérant qu'on peut sauvegarder. Regardez, franchement, c'est plutôt nickel, hein, les gars. Bah franchement oui. Donc pour ceux qui kiffent les tenues, bah les gars, bah voilà. Et en plus, on peut sauvegarder. Donc c'est nickel. Donc je la sauvegarde et je ferai une tenue prochainement, un masque prochainement et vous verrez, je ferai une vidéo et vous verrez ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera quoi.
En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait super plaisir. En tout cas, moi, oui. Et n'hésitez pas à liker, surtout, ça me fera super plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Apocalypse. Franchement, c'est un bon petit gars. Et même si je le connais pas, je mettrai sa chaîne en description. Il sort de très bons glitchs. Et voilà. Donc, un gros GG à toi, poto, même si on se connaît pas. Et les gars, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et à bientôt sur le jeu. Allez, ciao!